Le tourisme, à travers la conservation de la faune, largement évoqué ce matin à la présidence de la République au cours d'une audience entre le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et la délégation de Janus Continental Group. La presse présidentielle nous explique. Le tourisme est un secteur prometteur pour nos économies. Il est par conséquent indispensable qu'il lui soit accordé une place de choix dans l'élaboration des politiques de développement. La question a été largement évoquée au cabinet du président de la République par une délégation de Janus Continental Group venue partager avec Ali Bongo Ondimba sa connaissance sur la conservation de la faune, point important dans le tourisme. We are more geared into more into the conservation because we see the need. Donc là, on est concerné beaucoup avec la conservation des animaux parce que pour nous, en Afrique, les animaux c'est très important pour nous et pour nos enfants et aussi pour le touriste parce qu'avec les animaux et avec le touriste. On attractait beaucoup de jeunes qui venaient pour voir les animaux aussi. Donc, c'est très important quand on concernait, comme les Africains, on fait notre travaux bien pour conserver les animaux et pour les générations. L'expertise de JCG en matière de préservation de la nature et de ses composantes animalières pourrait donc être profitable à notre pays qui, à travers ses parcs nationaux, devrait atteindre un objectif, le développement de l'écotourisme.